Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Ce qui s'est passé dans le sud de la France est très grave. Oui, plus précisément dans la ville de Talan. Non, mais c'est juste inimaginable. Voici les faits. Vous avez, n'est-ce pas, le maire de la ville de Talan qui s'appelle Fabien Ruinet. Fabien Ruinet a pris une décision il y a de cela 24 heures. La décision vise, n'est-ce pas, à suspendre son adjoint direct. Pourquoi il a suspendu son adjoint? Parce que son adjoint est allé en Russie comme observateur international des élections. Voici les faits. Il a donc pris le temps de prendre un acte juridique, une décision. Nous allons lire ensemble quelques parties de la décision et vous allez comprendre, évidemment, jusqu'à quel degré, dans la tête de ces gens, la Russie, c'est-à-dire, ça n'en vaut même pas le coup. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de partager la vidéoconférence et de mettre beaucoup de cœur. Allons-y sur le contenu de sa décision. Il dit ceci. Ce jour, j'ai appris par voie de presse la présence de M. Cyril Gaucher sur le territoire de la Fédération de Russie, selon plusieurs sources concordantes. M. Cyril Gaucher se serait rendu à Moscou comme observateur international, désigné par le Kremlin pour l'élection présidentielle russe prévue du 15 au 17 mars 2024. Maintenant, voici la partie intéressante. Suivez très bien. Il dit ceci. En tant que maire de Talan, c'est le nom de la ville, Talan. Il dit, en tant que maire de Talan, je ne peux accepter une telle collusion entre le pouvoir russe et un élu de la République française, en l'occurrence, adjoint au maire de la ville de Talan. Il continue en disant, c'est raison pour laquelle j'ai décidé de suspendre à titre conservatoire Cyril Gaucher de ses fonctions d'adjoint délégué aux travaux, à l'aménagement du territoire et au numérique à compter de ce jour. Il poursuit en disant, dès son retour en France, j'attends des informations sur les raisons de sa présence comme observatoire international à Moscou. Je vous mets l'acte ici. Et je dis merci, n'est-ce pas, à Jacques Apomon, qui est un de nos vaillants combattants, un vaillant samouraï ici sur la page, et qui m'a permis de ne pas rater cette information très importante. Donc, Jacques Apomon, soit salué de passage et sachez que je lis vos commentaires. Alors, c'est très ridicule, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, après avoir connu ce qui s'est passé, après la lecture, n'est-ce pas, de son acte, nous avons certaines questions à se poser dans le cadre du décryptage de la vidéoconférence, de la thématique, j'allais dire. La première question qu'on va se poser, être observateur international français en Russie lors des élections, est-ce que c'est interdit par les lois de la République française? C'est ce que d'abord je veux savoir. Je sais qu'il y a des Français qui nous suivent ici. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes de la France qui sont là. Moi, je ne maîtrise pas ce domaine-là. J'aimerais qu'on me dise. En tout état de cause, la réponse tout naturelle, c'est non. Ce n'est pas interdit d'être observateur international. Attendez. La France veut de la démocratie. Lorsqu'il y a élection en Afrique, on en parlait tout à l'heure, non? Je crois que c'était hier nuit, lorsqu'on parlait de la réélection de Vladimir Poutine. Lorsqu'il y a élection en Afrique, ils envoient des observateurs, des élus locaux, etc. Pourquoi pas en Russie?
La Russie l'a désigné comme observateur et il est allé. Il fait partie alors de ceux-là qui ont validé la réélection de Vladimir Poutine. Donc la France a validé, puisque la France a observé. La France a observé le déroulement des élections. C'est-à-dire Poutine, c'est l'homme. Hein? Poutine, c'est un homme. Il fait venir un élu pour venir observer comment les élections se passent, pour aller faire le compte-rendu à ses frères et sœurs pour leur dire, oui, ça s'est très bien passé. Il a été démocratiquement élu. Voici la première partie qui fait très mal au maire Fabien Ruinet. Et vous savez, le maire Fabien Ruinet, il est foncièrement dans la doctrine française. Jusqu'à ce qu'il dit que lui, en tant que maire de la ville de Talan, il ne peut pas accepter une telle collusion. Vous savez ce que veut dire collusion? Généralement, on parle de ça lorsque deux véhicules, voilà. Mais lui, il transpose ça dans le domaine des pouvoirs, dans le domaine politique. Il dit qu'il ne peut pas accepter une telle collision entre le pouvoir français et la Russie. Mais il est très remonté jusqu'à ce qu'il a suspendu son adjoint. Et il attend au carrefour que ces derniers viennent s'expliquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Les choses qu'on nous cache, c'est ce qu'on déballe ici. Vous avez vu la presse française parler de ça? Pas seulement la presse française. La presse française, j'allais dire. Vous faites le tour des médias occidentaux aujourd'hui, depuis hier. Vous n'allez pas du tout voir un média qui parle de cela. Oui. Puisque quand l'affaire est exposée, c'est gênant, c'est honteux. Même les pays qui ne sont pas démocratiques, lorsque ces pays acceptent, les Occidentaux envoient leurs observateurs. Puisque les Occidentaux sont les auteurs de la démocratie. C'est chez eux que la démocratie est née. Et ils font croire au monde qu'ils sont ceux-là qui mettent en œuvre correctement et réellement la démocratie. Donc quand il y a élection partout, ils ont le devoir en tant que démocrate d'envoyer des observateurs. Qu'est-ce que Cyril Gaucher a fait? Qu'est-ce que Cyril Gaucher a fait de mauvais? Il allait simplement observer. Il n'a pas signé un contrat. Si Cyril Gaucher avait signé un contrat au nom de la ville de Talan, avec, n'est-ce pas, la mairie de Moscou, on pouvait dire il a fait engager comment on appelle ça, collectivité locale sans le consentement de la collectivité et des responsables. Mais il est parti juste observer. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis, il y a plein de choses qui se passent. La France, l'Amérique, ils posent beaucoup d'actes généralement très suffisamment négatifs. Mais parce que les gens n'en parlent pas. Lorsque ce n'est pas en leur faveur, c'est-à-dire ils posent des actes en leur faveur, mais lorsque le monde apprend, le monde va dire ah, mais eux aussi. Quand c'est comme ça, ils n'en parlent pas sur leurs médias. Mais Dieu merci, nous avons notre télévision à nous, ça c'est notre télévision. Oui, cette tribune de l'éveil des consciences, c'est notre télévision. C'est pourquoi ils vont tenter toujours de mettre les bâtons dans nos roues, ils ne pourront pas. Nous allons continuer à exposer ici. Ils ont supprimé notre première page de 324 000 abonnés. On a relancé aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux. On va continuer. Et c'est pourquoi je vous dis à toutes et à tous, abonnez-vous à notre page Facebook. Le nom de la page, c'est Le Samouraï. Je précise encore une fois parce que beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de pages Facebook actuellement diffusent nos vidéoconférences. Même s'ils n'ont pas mon autorisation. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Le Samouraï Théa. Vous partez sur YouTube, vous mettez Le Samouraï Théa, vous allez le retrouver. Ou bien, vous descendez ici sur les vidéos déjà postées. Dans les descriptions, vous allez voir le lien. Et surtout aussi, cliquez sur le lien de mon groupe Telegram.
intégrer le groupe. Cette lutte-là, qu'on a commencée, on ne va pas se fatiguer. On ne se fatiguera pas. L'Afrique doit être debout. Et pour que l'Afrique reste debout, il faudrait qu'on sache ce qu'eux, ils font. Que nos frères et sœurs sachent ce qu'eux, ils sont en train de faire. Quels sont les actes qu'ils sont en train de poser. Tous leurs plans, on dévoile ici. C'est ça. Donc, merci encore une fois à tout le monde de partager la vidéoconférence. Je vous ai dit, je ne veux plus dire partager. Parce que, bon, c'est gênant, beaucoup on dit non. Même si vous ne nous dites pas, nous savons que nous devons partager. Mais lorsque je ne le dis pas, aussi les gens refusent de partager. Je vous ai demandé que chacun prenne l'engagement. Pour chaque vidéo qui sort, partagez juste dans deux groupes. Lorsque c'est fait, c'est bon. Je ne vais plus dire partager. C'est-à-dire que chaque vidéo qui sort, ça doit être un réflexe pour chacun de partager dans deux groupes. C'est aussi une manière d'encourager le samouraï. Alors, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.